Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couvre, l'émission de débat autour du manga. Ou comme on dira dans la 800ème saison en 2942, l'émission de débat autour du manga. Puisqu'on sera devenu des intelligences semi-artificielles et qu'on fera partie d'un tout virtuel qui contrôlera la galaxie. Et on parlera comme ça, tous. Mais ils parleront pas comme un robot des années 70. Si, on parlera tous comme des vieux robots mal faits. Vous l'avez peut-être compris, nous parlerons de science-fiction dans cette émission et plus précisément des nouveautés manga de 2021 en SF. Parce que plus d'une quinzaine de titres dans son genre ont été publiés sur les 11 derniers mois. Mais des nouveautés, hein, pas des mangas qui sortaient déjà. C'est énorme. Et à votre avis, tout confondu, quelle est la meilleure vente de manga, d'un tome de manga de SF cette année? Enfin, sur les 10-11 premiers mois de l'année. Gun. Non, c'est pas Gun. Ah. Ça, l'année dernière, c'était Gun, je pense. Ouais. Naruto. Naruto n'est pas un manga de science-fiction. Ouh, c'était bien essayé. Le débat est lancé. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a un peu de science-fiction dans un truc que c'est un manga de science-fiction. Sinon, Dragon Ball. Ah bah, m'en parle pas. Hein. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Mais par exemple, dans le sukiyaki, tu mets du sucre. Et c'est pas un dessert. Mais c'est pareil avec le manga et la SF. C'est pas mal ça. Non, bah, du toujours coup, revenir ça à la nourriture. C'est plus clair pour tout le monde. My Hero, c'est de la science-fiction? Bah non. C'est comme un sukiyaki, il y a du sucre dedans mais c'est pas un dessert. Bon bah je sais pas alors. Alma, le tome 1 de Alma, c'est une nouveauté. Ah, ouais. Alma. Qui a eu beaucoup de bons bouche à oreille sur le tome 1. En deuxième c'est 20th Century Boys, le tome 1, mais la réédition. Ouais, fausse nouveauté. Fausse nouveauté. Ouais. Akira. Ah, une nouveauté. Fausse nouveauté. Ah, je connaissais pas. Le tome 1 de Akira est dans le top 3 des mangas de SF. Bah, et alors, ouais. Quatrième. Alors. Joli coup, Q. Les tomes, le repack du tome 1 et 2 de Q. Q, c'est un manga en 4 tomes qui était sorti il y a quelques années chez Kiun. D'accord. Et cette année, Kiun, ils ont fait un truc. Ils ont sorti avec les magasins Carrefour des intégrales de plusieurs de leurs mangas. Ouais. Ah. Uniquement dans ce réseau-là. Mm-hmm. À 4€, 3,99€. Et ça s'est super bien vendu puisque voilà, Q se retrouve dans ce classement des mangas de SF. C'est un super manga en plus ce titre. Q. Stylé. Moi ouais, j'adore les couvertures qui brillent. Du coup en plus, ouais c'est vrai, mais alors elle brille pas du coup parce qu'ils ont, vous savez, ils ont fait ça façon un petit peu, ah, oui, un peu jump, un cher. Peu bottin quoi. Ouais. Ouais. Bah oui, c'est des intégrales. Du coup, oui, pour 8€, t'avais l'équivalent des 4 tomes pour 8€. Ça vaut le coup. Bah oui, ça vaut le coup. Bah oui, Q. Non. Après, vous pouvez normalement encore en trouver si votre Carrefour l'a gardé. S'ils en ont gardé en stock, s'ils ont pas tout vendu. Mm-hmm. Mais normalement, ça peut être encore trouvé aujourd'hui. On fait le point sur les nouveautés manga de SF en 2021 dans la 5ème de couvre. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this new crazy mother... Journal de bord du capitaine. Date stellaire -302971.91. Notre mission de débattre autour du manga a été bousculée par un événement étrange. L'USS 5ème de couve a ainsi été rappelée à la base stellaire 75018. Les lieutenants-commandeurs Julie et Johnny m'ont accompagné pour discuter de ce problème qui pourrait remettre en cause tout le réseau de communication du subespace pour des raisons qui nous échappent encore aujourd'hui. Le monde du podcast est en grand danger. Vous voyez, par exemple, si je devais faire un film sur l'émission, un film de SF qui commencerait comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Vous prenez mon scénar ou pas? Je ne participerai pas à ce casting. Je suis tout désolé. Pompé sur Star Trek, hein, je tiens à vous le dire. Oui, oui, bah... Ah, c'était pas USS 117? Ah non. Non, ça c'est OSS 117. C'est pas le même film. C'est pas très science-fiction non plus, ceci dit. Non, mais j'ai tenté un truc, ça voulait rien dire, hein, je pense, ce que j'ai on réécoutera. Voilà. On réécoutera pour ça. Voilà, réécoutez bien, et puis voilà. Bon, j'espère que tout va bien, en tout cas de votre côté, pour parler de manga de science-fiction dans cette émission. Johnny, au rapport. Hashtag 5DC. Lieutenant-commandeur, je t'ai quand même mis un bon grade. Hein, ouais, ouais. Hashtag 5DC pour réagir. Insta, Discord, Facebook, Twitter, etc., etc. Si vous aimez cette émission, pensez donc à vous abonner aussi sur vos plateformes d'écoute habituelles ou sur vos apps sur vos smartphones. Plus d'une quinzaine de mangas de SF ont été publiés cette année, je vous le disais en intro. C'est énorme. Ouais.
de mémoire de Maxime, et Maxime a une bonne mémoire, de mémoire de Maxime, je n'avais jamais vu une telle profusion de mangas. Moi, je voulais savoir, parce que c'est vrai qu'on a, on a un ressenti là-dessus sur le nombre de... Ouais, ça fait un moment qu'on dit que ça arrive de plus en plus chaque année, qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de mangas. J'ai regardé sur un site connu de base de données, et effectivement, cette année, bon, il y en a 65 qui sont sortis. Après, on peut se poser la question sur tel titre ou pas qui est classé en science-fiction. Il y en a plein où je ne suis pas d'accord avec eux, mais on va dire qu'il y a 10% ou de marge d'erreur, sachant, mais ça reste qu'à chaque fois, il y a ces 10% là. L'année dernière, il y en avait 40, et l'année d'avant, il y en avait 35. Donc ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup cette année. Oui, il n'y a pas 65 nouveautés, 65 tomes tout court. C'était 65 nouveaux publiés sortis en France. Ouais. Après justement, c'est pour ça que je dis que il y a une marge d'erreur. 15 ou 20, moi. Il y a une marge d'erreur. Non, mais il y en a où c'est de la science, où ils mettent science-fiction. Casuate, ils mettent dans la science-fiction. D'accord. Okay. Voilà, c'est l'exemple que je peux donner. Effectivement. Mais en tout cas, oui, il y a des ingrédients de science-fiction. Ça reste quand même que même si on applique la marge d'erreur, il y a beaucoup de titres qui sont sortis par rapport aux années précédentes. Et puis de toute façon, s'ils l'ont fait cette année, ils ont fait la même l'année dernière et la même l'année d'avant. Donc du coup, ils sont partis sur la même base. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de titres, en tout cas avec un peu de SF dedans, et ça, bah, j'aime bien, moi, c'est une bonne nouvelle. On mange je trouve de plus en plus sucré, en fait. C'est ça. Ouais. Toujours rajouter du sucre dans le souki yaki. Beaucoup de saké aussi, quand même. Et moins de sauce soja. Il faut rééquilibrer à chaque fois. Parlons du premier manga qui va nous intéresser, et c'est quasiment un de nos préférés de cette année. Je pense même que c'est notre préféré, en fait, si je dis pas de bêtises. C'est le premier qui est sorti dans l'année. On va faire cette émission de manière chronologique par rapport aux sorties. Waouh. Et donc, il s'est sorti le 3 février de cette année. C'est en 3 tomes. Et ça s'appelle Search and Destroy. Search and Destroy, c'est donc le manga qu'on attendait de Atsushi Kaneko, qui était sorti d'abord une première fois dans le Tezukomi, ici en France, et puis au Japon également. Search and Destroy de Atsushi Kaneko, c'est une réécriture du célèbre Dororo de Tezuka, dans un monde post-apo peuplé de robots, de yakuza, de têtes qui volent. Mafieux russes. Et de mafieux. Oui, oui, c'est ça, parce qu'on est dans un monde aux allures d'une URSS futuriste. Ouais. Qui a l'air de sortir d'une guerre et les robots pullulent. Doro, un môme chapardeur, se fait prendre par des yakuza. Mais une jeune fille qui a pas l'air vraiment humaine, mais pas robot non plus vu l'odeur, le sauve et flingue tout le monde. Et ce personnage est venu pour récupérer sa langue. Et c'est pas la seule partie de son corps qui lui manque. Et l'histoire commence. Et c'est un truc phénoménal, ce manga Search and Destroy. En 3 tomes, il a réussi, Kaneko, à se réapproprier une histoire culte, totalement culte, hein, et à y apposer sa touche et à rendre ça à la fois très différent et très proche de Dororo sur du Tezuka. Je trouve ça absolument génial, moi. Moi, j'allais dire que c'est une belle revisite du manga de Osamu Tezuka, mais en vrai, comme j'ai pas eu l'original, je peux pas dire ça, parce que c'est-à-dire que je mens. Oui, infamie, je n'ai pas lu le vrai Dororo. Non, mais par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est une libre adaptation, dans le sens où le manga original, je sais pas si vous l'avez lu, enfin, corrigez-moi, mais j'ai l'impression que ça se passe à l'époque Sengoku, donc c'est le milieu du 15e siècle, 16e siècle, au Japon à peu près, et alors que là on est plutôt dans un futur proche cyberpunk, et en gros il a totalement réinterprété, voilà, et en gros les démons de l'histoire originale ont été remplacés par des robots et l'univers est plutôt SF plutôt que médiéval, donc en tout cas cette adaptation, moi je la trouve très bonne et je suis assez content de... Moi je suis très fan de l'ambiance qu'il a réussi à poser dans ce manga. Tu sais, ça, c'est à la fois froid, un peu écœurant, mais en même temps attirant et foisonnant, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, à voir, à regarder, et en même temps il y a des choses que t'as pas envie de voir mais tu les vois quand. C'est le style Kaneko, mais qui a passé une étape. Bah oui, parce que Kaneko, il est quand même dans un manga que je dirais organique, quoi. Il s'intéresse au fluide, il s'intéresse à la transpi, au corps, à comment le corps réagit. Et là, bah, c'est des robots. Donc forcément, il a eu un petit... C'est un peu challengé lui-même, tu vois, pour les rendre vivants, aussi vivants que possible. Mais malgré tout, il a réussi, avec ce style-là que tu viens de décrire, à poser une ambiance, à poser cette ambiance-là qui est vraiment particulière. Et il expliquait que pour faire ce manga... Il s'est mis en tête que d'autres personnes qui ne lisaient pas d'habitude ses titres à lui allaient tomber dessus. C'était du Tezuka aussi, voilà. Ainsi de suite. Ouais. Donc il s'est forcé aussi à faire évoluer son trait, à faire des choses plus simples et à rendre son manga, le manga de Kaneko, un peu différent. Ouais, plus grand public, quoi. Après, il a mis quand même énormément, il y a une énorme ambiance... Moi, je suis obligé de penser forcément à Lady Snowblood quand tu lis ça. Lady Snowblood, Kill Bill, etc. C'est vraiment l'histoire de vengeance. Et quand tu regardes la sortie de Lady Snowblood, c'est pas si loin que ça de Dororo. C'est 5 ans après la fin de la publication de Dororo. Donc, c'est quand même assez rapproché. Et cette histoire de vengeance, moi, je sais pas. Il y a eu une résonance, en tout cas, dans ce manga, j'ai l'impression.
Bah moi j'aime beaucoup, enfin, on avait fait une émission consacrée à Kaneko, que je vous invite à réécouter d'ailleurs, et, mais là c'est comme tu dis, mais il a passé une étape, moi je trouve que c'est vraiment un de ses, voilà, un de ses meilleurs titres, j'ai très hâte de connaître la suite parce que j'ai pas lu jusqu'à la fin, mais moi j'aime beaucoup aussi la façon dont il s'est réapproprié le personnage de Hyaku. Puisque là, il l'a fait vraiment une fille, enfin en tout cas plutôt féminin. C'est important, effectivement, il a fait un personnage de fille là où c'était un garçon dans le, dans le manga original. Ouais, et puis tout le côté, bah, évidemment, comme tu disais, Johnny, samouraï, tout ça, a laissé place à des choses beaucoup plus modernes, voire même post-modernes, quoi. Et le truc, c'est qu'il l'a fait vraiment fonctionner à la rage... quelque chose qui était difficile malgré tout à Tezuka de mettre en scène. Alors que là, bon, Kaneko, il a aucun problème, tu vois. Genre, la fille, elle est pétard de chez pétard. Et tu le vois à toutes les pages. Et c'est vraiment incroyable de voir comment il s'est réapproprié effectivement cette idée. Et en tout cas, moi, on avait déjà discuté du coup dans l'émission, mais tout ce côté blanc, effectivement, j'avais jamais pensé à Lady Snowblood, mais oui, il y a ces paysages enneigés, tout ça, et il nous a jamais trop habitués à utiliser autant de blanc dans ses pages, quoi, alors que d'habitude, il noircit vraiment. Mais le fait d'être dans un autre magazine de prépublication, que ça soit un éditeur français aussi, avec Tezuka Productions qui l'approche pour faire ça, ça nous donne, ça donne plein de choses qui font que ça a donné un résultat différent. Bah, en tout cas, on est arrivé, c'est quelqu'un qui est arrivé en lui proposant cette idée, quoi. Enfin, en lui demandant de réfléchir à une idée dans ce genre. Ouais, mais je pense que c'est vraiment un essai réussi et transformé pour le coup. Ça, et puis le manque de matières premières, on lui a dit, tu fais trop de noir, ça pompe trop, stop. Et on n'a plus de papier, on n'a plus d'encre, arrête. C'est ça, vous l'avez compris, c'est un grand oui pour nous hein, sur Search and Destroy d'Atsushi Kaneko. C'est donc en 3 tomes aux éditions Delcourt Tonkam. La suite, parce qu'il faut qu'on enchaîne assez vite, même si on a envie de parler d'un peu tous les mangas, faut qu'on enchaîne assez vite parce qu'il y a plus d'une quinzaine de titres. Et on va essayer de... Une vingtaine de titres dans cette émission, on va essayer de parler d'un petit peu tout. Maintenant, on va parler de La Guerre des Mondes qui est sortie le lendemain, le 4 février. La Guerre des Mondes, donc, un manga en 3 tomes également, comme Search and Destroy, après c'est pas exactement le même format. La Guerre des Mondes de Saihara et Hitotsu Yokoshima, qui reprennent l'œuvre originale de H.G. Wells, le roman La Guerre des Mondes, et qui offre ici une adaptation manga très légèrement modifiée, notamment avec l'ajout d'un personnage. Et concernant l'histoire, bon, c'est simple, hein, l'histoire de La Guerre des Mondes, les extraterrestres attaquent. Fuyez tous ou on va tous mourir. Point. Voilà, c'est ça l'histoire. Mais j'ai toujours été fasciné par cette histoire. Tu sais pourquoi, Joe? À cause du canular de Orson Welles. Là, on est d'un Welles à un autre Welles. Orson Welles qui s'était inspiré de La Guerre des Mondes de H.G. Wells pour faire son canular à la radio dans les années 30 aux États-Unis. Et j'ai toujours, moi en tant que fan de radio, j'ai toujours été passionné par cette histoire de canular qui avait vraiment marché. Parce qu'en fait, à l'époque, quand il avait fait ce canular à la radio, les gens ont vraiment cru. Ouais. Que les extraterrestres attaquaient les États-Unis. C'est drôle parce que tu fais ça aujourd'hui, je pense que les gens ils y croient pas. Tant qu'il y aura pas un truc, quelqu'un qui aurait fait une story, ils sauront pas, toi. Oui, un canular en story, je sais pas. Ça n'a aucun sens. Mais effectivement, aujourd'hui, ce genre de choses ne pourrait plus arriver. Mais voilà, c'est cette histoire de canular d'Orson Welles m'a toujours passionné. Par conséquent, je me suis toujours intéressé à La Guerre des Mondes derrière de H.G. Wells. Bah, moi, j'ai été assez attiré par ce titre, déjà parce que je ne connaissais pas La Guerre des Mondes, autre que par le film de Spielberg avec Tom Cruise et Dakota Fanning, qui était sorti en 2005. Et j'ai toujours eu ce regret en fait, de ne pas avoir eu le roman. Et là, je ne l'ai toujours pas lu. Mais le manga m'a donné justement ce petit rappel qu'il faut lire justement ce roman pour la simple et bonne raison que c'est un des premiers... Bah c'est, si ce n'est le premier d'ailleurs, le premier roman de science-fiction qui parle extraterrestre, qui parle d'une invasion extraterrestre et surtout des extraterrestres qui ne sont pas gentils du tout. Ouais, c'est-à-dire qu'on dit qu'il y a 2 personnes qui ont fondé, on va dire, qui sont les pères créateurs de la science-fiction, c'est H.G. Wells et Jules Verne. Et lui, en tout cas, pour H.G. Wells, il a vraiment mis en scène l'extraterrestre. On peut parler de Lovecraft qui a mis les extraterrestres, déjà c'était un peu plus tard, et c'est pas trop dans une optique de science-fiction. En tout cas là, moi ce que j'ai aimé avec le manga, c'est qu'on se rapproche plus du roman, plus que du film de Spielberg, parce que c'était l'époque moderne Spielberg, alors que là le roman, on est fin d'époque victorienne, on est en 1898, on est dans une bonne adaptation, et c'est pas la même signification que l'époque moderne. Et... clairement, on sent dans le manga cette critique de la société, cette critique du colonialisme à travers l'invasion des extraterrestres face aux humains qui peuvent finalement rien faire en fait.
Oui, clairement, là, ils sont perdus. Mais du coup, je me dis que ce serait bien aussi que Kihoon lance une collection Jules Verne. Tu sais, ils font la Guerre des Mondes, ils font Lovecraft. Petite collection Jules Verne, ça serait chouette. Même si c'est Gutanabe, peu importe, si vous trouvez l'auteur au Japon, allez. Ouais, ce serait pas mal. On va rappeler Ahmed qui était là il y a deux émissions pour voilà. lui donner l'idée. Oh, on a une idée de ouf. Jules Verne. Donc, La Guerre des Mondes aux éditions Kihoon en 3 tomes. Les 2 premiers sont déjà sortis. La suite, c'est avec un manga en 2 tomes qui est sorti aux éditions Akata, Le Siège des Exilés. Le Siège des Exilés, un manga assez particulier puisqu'il a été pré-publié dans un magazine plus grand public, un magazine pas forcément spécialisé. Et Akane Torikai, on la connaît puisqu'elle avait fait notamment un manga aussi édité par les éditions Akata qui s'appelle En proie au silence. Ouais, bien percutant. Bien percutant et pas du tout dans la science-fiction. Ah non. Et là, effectivement, elle offre autre chose. L'histoire du Siège des Exilés, c'est quoi ? On est dans le futur, quelque part en Asie, et il ne naît quasiment plus d'hommes. Ils sont ainsi cantonnés à un rôle de reproducteur. Et la société a continué d'évoluer sur cette base. Et dans ce système matriarcal, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflits, mais il y a quand même des problèmes et des inégalités. Si bien que certaines femmes ont décidé de fuir la ville pour s'installer plus loin dans un bidonville. Et on va suivre un personnage dans ce bidonville, Sanada, qui vit dans ces lieux, à la marge, tout en cachant un secret. Bah ouais. En cachant quelqu'un. Voilà, ouais. On s'arrête là sur le pitch, Julie. Ah, mais c'est dur si tu t'arrêtes là. Ok, dis-le alors. Mais, bah, c'est que... Il meurt. Oh. Il y a dans ce bidonville, quelque part, un homme. Ah, une espèce de perle dans ce bourbier là, parce que en fait il faut se dire que elle a imaginé un univers où il y a même le fait de rencontrer un homme est une chose presque inimaginable, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'existe plus, enfin quelque chose, excusez-moi les garçons, mais en tout cas les femmes elles ont perdu leur fonction reproductive, et donc là ils arrivent à un stade où dans cette société, ils savent plus comment se reproduire et créer des nouvelles générations. D'ailleurs, c'est hyper mystérieux. Il y a des enfants qui naissent, on sait pas trop comment, puisqu'il y a pas d'hommes, il y a pas de femmes. Les jeunes femmes en âge de procréer n'ont pas leurs règles. Enfin, tout est vraiment très très bizarre. Tout a évolué, ouais, d'une certaine manière, quoi. Oui, et donc. J'ai envie de connaître la fin, et en plus il y a donc une espèce d'alliance entre des femmes du bidonville qui donc cherchent à rencontrer ce fameux mystérieux dernier homme, et en plus il est très beau, enfin il est jeune, tout ça, donc ça ne gâche pas le plaisir, on va dire, mais et il se trouve que comme il leur dit si vous trouvez suffisamment d'argent, j'accepte de vous montrer en quoi je suis différent de vous. Mon kiki. Voilà, tu voulais le dire, vas-y. Et je trouve que, enfin, comment dire, quand tu lis ça, ce synopsis-là, tu te dis, c'est vieux comme le monde, en fait. Mais elle arrive à en faire quelque chose qui est complètement au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir, quoi, ou d'imaginer et de lire. J'ai un peu cette même impression, c'est que on a déjà vu des œuvres basées sur un peu le même pitch, une société qui est régie par le pouvoir des femmes. On l'a pas dit, mais c'est vrai que la société est vraiment c'est les femmes qui dirigent, les naissances sont régulées, elles sont décidées par le pouvoir mis en place, et on l'a déjà vu ailleurs, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi il y a dans ce manga un petit quelque chose. Peut-être au niveau du dessin qui est assez beau, ou je sais pas, la mise en place du scénario, mais en tout cas on tourne les pages et on veut vraiment savoir ce que vont devenir les différents protagonistes. D'ailleurs, il n'y a pas un protagoniste. Au début, on a l'impression qu'il y a la femme blonde là au tout début, mais en vrai c'est tout un groupe, c'est une coloc limite. Oui, c'est vrai. Et même s'il y a le personnage principal au début, on a à la fin un petit grand groupe de 4-5 personnes à la fin du tome 1, et on est plus centré sur elle. Donc je trouve ça assez intéressant pour la suite, parce que qu'est-ce que ça va devenir, ce petit groupe? Ça s'appelle Le Siège des Exilés, c'est aux éditions Akata. Février toujours, un manga en 7 tomes est sorti, un manga dont on a déjà parlé, donc on va essayer de faire vite dessus. Enfin, on essaie de faire vite sur tous les titres, mais en fait on a plein de choses à dire. Un manga qui est sorti en février, dont on a déjà parlé, sur l'émission sur les héroïnes. Vous vous souvenez, ouais. Ça s'appelle Sarissa of Noctilucent Cloud, une série qui était dans la liste finale du prix Tezuka en 2020, qui est signé Kome et Miki Matsuda, qui a été prépubliée sur internet. Là on est dans un monde contemporain, les cieux sont peuplés de créatures qu'on appelle des Tensho, des sortes de monstres géants qui s'attaquent aux humains, et Shinobu, une jeune fille, est dotée de capacités bien particulières, qui est celle de s'effacer. Elle s'efface, voilà, comme ça. On la voit plus, on la reconnaît plus, elle s'efface, elle et tout ce qui l'entoure, et ça va s'avérer bien pratique pour approcher certains de ces Tensho dans les airs
et de les éliminer, ces monstres, puisqu'elle va intégrer une organisation de lutte contre les Tenchō. Et on s'en doute assez rapidement, elle ne sera pas la seule à avoir des étranges capacités. Ils seront même tout un groupe qu'on appelle les Fireball. Et ce manga, c'est ce que j'appelle pour moi de la RDSF bien nerd. Ouais. Pour les fans d'avions, en tout cas. Moi, j'aime bien les avions. Et donc, pour les fans d'avions, d'avions comme moi, c'est relativement pointu sur toutes les parties techniques. Et qu'il y a énormément de notes de fin de tome. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Vous voulez que je vous en lise des notes de fin de tome ? Vas-y, allez, on en a un là sous la... Ok, je prends le tome 4, j'ouvre à la fin. Alors, page 179. La capacité pour un avion de tirer un missile puis de confier son contrôle à un autre acteur en réseau est l'un des principaux enjeux du champ de bataille de demain. L'avion F-35 a été conçu dès les origines pour remplir ce rôle. Non, le Strato Seagull de Gab dispose lui aussi de cette capacité grâce à son équipement de communication embarqué. Mais l'auteur, il a passé plus de temps à lire les documents qu'à faire son manga. Ouais, on peut parler, page 155, du guidage par fil qui rend les missiles TOW très résistants aux contre-mesures. Ceci dit, le point faible de ce système des TOW, c'est que le tireur doit garder la cible dans son viseur durant toute la durée du vol du missile. C'est de la propagande militaire pour former des soldats. Moi, en fait, c'est juste que c'est super pointu. Ouais. Bah, ils sont quelques-uns comme ça à avoir la stratégie Ender aussi, ils étaient super pointus, on a vu ce que ça a donné. Non, mais voilà, enfin, tout ça pour dire que malgré tout, là on en rigole, mais moi j'aime un travail de ouf. J'aime vraiment ça, c'est vraiment super intéressant. Ouais. En fait, en tout cas, quand t'es dans ton histoire, quand t'es dans ton truc et que t'aimes ça, c'est passionnant. Oui. Vraiment, je trouve ça passionnant ce manga aussi pour ça. Julie, qu'est-ce que tu nous rappelles ce que tu avais dit à l'époque ? Moi, j'avais pas été aussi sensible, tu vois, à toutes ces données super techniques, super pointues. De toute façon, elles sont à la fin, tu peux les ignorer si tu veux. Mais il en reste une bonne histoire où tu as une héroïne qui est sympa, qui a du potentiel, et puis tu as envie de voir comment elle va évoluer, comment elle va s'affirmer, parce qu'elle, au début, elle se rend pas compte qu'elle a un pouvoir. Elle pense que les gens l'oublient, qu'elle est comme ça, enfin que c'est son caractère. Oui, puis en plus, ce pouvoir a influencé son caractère. Bah voilà, et alors qu'en fait, bah non, il y a des choses positives qui vont lui arriver, donc voilà, on a envie de la soutenir. Graphiquement, en plus, le manga est toujours top, puisque les auteurs maîtrisent de mieux en mieux le chara-design, qui est vraiment original pour le coup. Mmh. Et ils voyagent beaucoup en plus dans l'histoire. Ils passent par Paris, notamment dans le tome 3. Ah bon, bah, donc, ça vaut le coup. Exactement. Ils font Paris, ils font la Finlande, ils font la Russie. Ils voyagent un peu dans le monde entier, c'est bien. Sarissa, donc, of Noctilus and Cloud, un manga que je vous conseille, qui est sorti donc aux éditions Panini Manga. On retourne chez Akata avec Wombs, un manga en 5 tomes, un seinen lui aussi. Pour l'instant, globalement, on n'est que sur des mangas considérés seinen au Japon. Et Wombs nous envoie sur la planète Jasperia. Quelque part dans l'espace, on découvre les First, une population qui pensait pouvoir vivre dans ce coin-là tranquillement, en paix, mais qui voit l'arrivée des Seagons et qui déclenche une terrible guerre. 20 ans plus tard, le conflit continue. On découvre alors une unité d'élite composée exclusivement de femmes, dont l'utérus a été implanté par des fœtus parasites. Et elles développent, grâce à cet implant, des capacités uniques, la téléportation, qui confère à leur armée un avantage vraiment stratégique et vraiment important. Donc on va suivre Oga, une jeune femme de cette unité. Mais moi je t'écoutais du coup pour le pitch et je me suis dit, merde, moi j'aurais bien aimé ne pas apprendre tout ça, parce qu'en vrai, à la fin du tome 1, je me suis dit, je sais pas trop ce que j'ai lu. C'était trop bien, mais juste, je sais pas ce que j'ai lu, c'est méga original. C'est vraiment une histoire et un univers qu'on a jamais vu. En tout cas, moi j'ai jamais vu. Et c'est drôle parce que j'ai lu Worms avec le siège, avant le siège des exilés. Oui. Et à la fin du siège, je me suis dit, ah, c'est marrant, on a deux mangas de SF centrés sur les femmes. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, non pas parce que c'est des femmes, mais parce qu'on a de la bonne SF avec des sujets et des thématiques qui sont pas si communs que ça. Moi, j'ai pareil que Johnny, finalement, c'est quand tu lis le tome 1, c'est pas ça qui reste, en fait. Tu t'as vraiment bien éclairci le truc, parce que je suis sortie du truc, de la lecture, en disant oh, « qu'est-ce que j'ai lu ?» Enfin, c'est vrai, on a eu le même ressenti, mais il y a un truc intrigant, et puis c'est vrai que c'est pas seulement des femmes, c'est vraiment lié, de hard SF, lié à la question de la reproduction et des capacités finalement physiques des femmes, quoi. Et, ouais. Et c'est un peu dérangeant. Parce avec que, un objectif militaire, du coup. Ouais, en plus, tu vois, allier la famille, enfin, oui, effectivement, la figure maternelle
à l'arme de guerre, c'est hyper perturbant. Enfin, non, et puis même pendant un moment dans le manga, t'as des hommes qui se foutent de la gueule des femmes en disant qu'elles baisent avec des extraterrestres, et tout de suite ils se font défoncer par leur commandant ou par leur chef, parce que bah, déjà on parle pas comme ça aux femmes, et elles sont super importantes, et ce qui est normal en fait. Et je pense qu'il y a aussi un petit écho par rapport à l'armée à ce niveau-là. Ça s'appelle Worms, et c'est sorti également aux éditions Akata, comme Le Siège des Exilés, qui était sorti un mois plus tôt, 11 février, 11 mars, ça, c'est l'avantage de février, c'est 28 jours, donc du coup, on reste bien... Un cycle. On est sur... Oh là là, joli. La suite, c'est un manga sorti le lendemain, le 12 mars, toujours en SF. Tu sais, quand il y a des nids de science-fiction chez les éditeurs. Une brève histoire de Robot Sapiens aux éditions Nueve Graphics, un manga en deux tomes qui était sorti en coffret aussi, tout un coup. Ouais. Une brève histoire de Robot Sapiens nous envoie dans un futur lointain, très lointain. Hommes et robots cohabitent, et c'est là qu'on rencontre différents personnages assez uniques. Une sorte de récupératrice de robots, un robot libre, des time notes. Des personnages qui vivent à leur façon la cohabitation humain-robot, et c'est composé étrangement, hein Julie. T'as du mal, hein. Comment je vais finir cette phrase? Oui, mais écoute, c'est vrai que ça ressemble plus à un recueil d'histoires finalement qu'une histoire avec un fil narratif vraiment tendu tout du long du livre. Mais ce Nueve Graphics, c'est très beau. Enfin, le livre en lui-même est très très joli, vraiment très, de très très bonne facture. Et c'est super poétique, alors que quand tu vois les traits, tu penses pas à ça en premier. Enfin, moi j'ai noté, c'est un vrai ovni, objet visuel non identifié. Tu vois. Mais clairement, ça décontenance vraiment le lecteur au début. Mais oui, t'en as partout. Et oui, et il y a un travail sur le graphisme, il y a un travail sur les couleurs. Il y a beaucoup plus... Enfin, en fait, c'est beaucoup plus proche d'un roman graphique à l'occidental, voire même proche de certains comics un peu indé, quoi, que ce qu'on a l'habitude de lire quand on pense à du manga. Mais c'est du manga indé. Si vraiment on a besoin d'un manga de SF indépendant, là, on est en plein dedans. Ouais. Et surtout, c'est hyper poétique. Il y a des questions comme ça sur le temps qui passe, qu'est-ce que c'est être humain, qu'est-ce que c'est être un robot. Et c'est vraiment une très très bonne surprise. À cet égard, la première histoire est super intéressante d'ailleurs, l'être humain, être robot. Ouais, est-ce qu'ils peuvent prendre notre place? On ne sait pas. À lire, une brève histoire de Robot Sapiens aux éditions Nueve Graphics. Tu voulais rajouter un petit truc? Oui, parce que vraiment, je voulais... tu vois, tu penses robot, tu penses SF, et on pense toujours à des choses froides, à des choses carrées, avec des angles. Et là, il arrive à rendre tout ça très doux, très humain. Et il y a plusieurs fois dans le livre des scènes où les robots se transmettent des données, et ils font comme une caresse sur la joue. Je trouve ça super intelligent, parce que ça change tellement, ça dénote avec l'ensemble de ce qu'on a appelé jusqu'à présent la hard SF, tu vois. Et donc, rien que pour ça, ça vaut le coup de se plonger dedans. Une brève histoire de Robot Sapiens. La suite, c'est avec trois mangas sortis en avril et en juin. Trois mangas cousins. J'ai envie de les appeler des cousins, parce qu'en fait, à chaque fois, on est sur un personnage humain et un personnage robot qui font des trucs. Qui errent. Oui, parce qu'ils font des trucs. Non, mais tu fais le pitch pour un, tu fais le pitch pour les trois. C'est un peu c'est ça, vrai. Ouais. Alma, Terrarium et Lonely World. Je vais vraiment faire le pitch pour Alma pour le coup. On est dans un monde post-apo, tout est en ruine. Ray cherche désespérément d'autres survivants aux côtés de son amie, Triss. Une menace surgit dans leur quotidien et Triss s'interpose et elle révèle au grand jour un secret caché depuis 15 ans. Et c'est alors que débute pour le jeune garçon, pour Ray, un long voyage guidé par les paroles de son amie et de son petit hamster robot mignon. Oui. Et il part en voyage. Ouais. Il part en quête, mais c'est ça pour les trois autres mangas aussi. Oui. Alma, qui est donc, vous l'avez entendu dans l'intro de cette émission, l'un des meilleurs lancements de l'année, Joe. Moi, ce qui m'a percuté, c'est clairement le dessin. Moi, je trouve ouf. C'est beau, c'est détaillé. On rentre bien dans l'univers post-apocalyptique et les persos sont bien faits. Moi, c'est vraiment le gros point sur lequel j'appuie, parce qu'en termes de scénario, c'est vrai qu'on est plus ou moins sur le même pitch, comme je le disais, avec Terrarium et Lonely World, à quelques détails près, mais il y a quand même, je sais pas, ça se démarque par le dessin,
dessin, mais il y a quand même une avancée assez rapide dans l'histoire, notamment sur la fin du tome 1. On avance vraiment rapidement. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a 4 tomes, on veut pas de fioritures. D'ailleurs, merci pour notre portefeuille. Ça coûtera pas très cher et c'est une bonne histoire. Et je sais pas, moi j'aime bien le traitement des personnages. Le sujet est déjà vu, hein, c'est l'intelligence artificielle versus les humains, mais il est bien fait. Le traitement, je trouve qu'il est bien fait. Julie ? Oui, et puis des trois, c'est celui qui tout de suite, enfin en tout cas très vite, se démarque comme plus géopolitique en fait. Enfin, il y a vraiment des histoires de lutte de territoire humain, robot, chose qu'on voit un peu moins dans les autres, dans Terrarium ou dans le New World, quoi. Où là, c'est plus une question de combattre la solitude en tant qu'humain ou voilà, comment trouver sa place dans un monde où les humains n'existent plus. Et là, c'est tout de suite plus bagarre en fait. C'est vrai, ce titre a aussi été nommé dans différents prix au Japon. Almak a bénéficié d'un excellent bouche à oreille sur le tome 1, même si les échos là que j'ai eu sur la fin me semblent plus durs. Moi je me suis arrêté au tome 2 pour l'instant, sur les 4. Et les échos que j'ai eu sur la fin, après ça reste des échos à droite à gauche, hein, mais petite pointe de déception. Tout cas, sachez qu'après Alma, Shinji Mito lance un nouveau manga qui n'est pas de la science-fiction, qui n'est pas du fantastique aussi comme son manga précédent. Ça va être une comédie sentimentale. Et il va s'essayer donc à la comédie avec Atarashi Kimie. Voilà, c'est une relation interdite entre une lycéenne et son professeur. Traduction. Qui n'a vraiment rien à voir. Rien à voir. Atarashi Kimie. Je demande vraiment si les auteurs sont passionnés par la SF quand ils font ça. Non, c'était une commande. Ouais, mais c'est marrant de faire une commande. Bah, pour le coup, juste, il a vraiment fait. Là, il fait plusieurs genres différents. Du coup, peut-être qu'il s'essaye. Parlons maintenant donc de Terrarium qui est sorti au tout début du mois de juin, un manga en 4 tomes comme Alma. Là aussi, on est sur du seinen. Hein. De toute façon, les 3 mangas dont on parle, c'est des mangas catégorisés comme seinen. Le synopsis de Terrarium, c'est quoi ? C'est Chico, une technologue d'investigation. Alors, les technologues, c'est un mélange entre réparateur, ingénieur et médecin. Oui. Donc elle est technologue d'investigation et son petit frère Pino est un robot et ensemble ils arpentent des colonies délabrées où des robots poursuivent leurs tâches comme si de rien n'était et ils tentent alors de les accompagner dans leur dernière volonté, dans leur dernier souhait, dans leur dernier moment de programmation tout en recherchant les traces d'un passé oublié pour leur propre colonie. C'est très sympa Terrarium et moi je me suis vraiment... pris d'affection pour certains des robots à l'image de l'héroïne, le robot facteur. Oh, j'avais de la peine. Il était mignon. Il était trop mignon, le robot facteur. J'ai dit, oh, mais sauvons-le. Aidons-le à donner son courrier, ce robot facteur. Ouais. C'est génial d'avoir de l'empathie comme ça pour un personnage robot qu'on voit que l'espace d'un chapitre, un chapitre et demi en plus, quoi. Ouais. C'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Non mais c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est vrai que je suis assez mitigé sur ce titre. C'est très beau, il y a vraiment rien à dire là-dessus. Mais je sais pas, j'ai pas eu ce petit truc que j'ai eu avec Alma. Et alors qu'on fait plus ou moins face aux mêmes problématiques. Hein. C'est les sentiments des machines, les humains. Qu'est-ce qu'être un humain ? Après, je sais pas, le traitement est peut-être différent. Et avec du recul, bon, j'avoue que peut-être que le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de combat en fait dans ce tome. Et je crois que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu des robots qui étaient là. C'était un peu gnangnan, trop gamin pour moi. Non, mais je pense que c'était pas ce que je cherchais à ce moment-là. Effectivement, je pense pas que dans Terrarium, on ait autant d'action que dans Alma. Mais par contre, j'ai l'impression, et en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, qu'il y a peut-être une dimension plus écologique qu'il n'y avait pas chez les autres. Moi, je ne sais pas, c'est peut-être le fait de voir autant d'herbes partout ou la nature qui reprend ses droits. Mais toi, je ne l'ai pas vu dans Alma. Tu vois des immeubles, tu vois que tout est défoncé. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une dimension un peu plus écologique. Il y a des arbres au moins, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est très contemplatif par rapport aux deux autres. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est vrai, c'est beau. Et il y a quand même une sorte de nostalgie, de mélancolie. Enfin, c'est crépusculaire, quoi. Enfin, il y a un truc de... t'as ce couple un peu étrange. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup penser à FMA parce que. Totalement, j'allais te dire mais ça. Oui, parce qu'en plus, on sait pas si c'est vraiment au début. Ça se trouve, c'est pas totalement un robot, son frère. Mais oui, on sait pas. Enfin, elle l'appelle son petit frère, lui, il l'appelle grande sœur. Enfin, tu comprends qu'il y a quand même autre chose que un tas de ferraille et une pseudo-humaine. Parce qu'en plus, on sait pas trop. Elle a été améliorée, c'est pas son corps d'origine. Enfin, il y a des choses un peu. Oui, il y a des doutes. Ouais, on sait pas. Et c'est très mystérieux. Leur passé, qu'est-ce qui s'est passé dans leur colonie. En plus, et ils passent effectivement beaucoup de temps avec des robots qui sont en train de finir quelque chose. Donc, c'est vrai que des fois, ça fait un petit pincement au cœur, mais c'est pas désagréable pour autant. Quoi. Mais tu vois, contrairement à d'autres titres là, de la liste de toute cette émission, certains...
certains m'ont laissé pantois, mais sur Terrarium, j'ai envie d'aller au bout. Oui. J'ai envie d'aller au bout des quatre tomes. Cet homme me donne envie de lire la fin et d'aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est à cause de la mélancolie qu'il a. Oui. Il y a une certaine mélancolie dedans. Ouais. Et elle n'est pas désagréable. Non, non. Et puis ça permet de... Voilà, une histoire tranquille, avec des personnages sympas. Bon, bah, c'est toujours bon à prendre. Hein. Exactement. Terrarium, donc, aux éditions Glénat. On est à la moitié de cette émission. Prenez des notes. Hein. Ouais. Prenez des notes parce que si vous prenez pas de notes... Bah, on fera vous bien allez, un sens vous critique. Vous... c'est avec la liste des émissions. Ouais. Non, bah, après, vous pouvez nous redemander, évidemment, sur les réseaux sociaux au fur et à mesure. Mais sinon, vous faites pause, vous notez vite. Non, et puis on fera la liste, promis. Mais bon, ça fait plein de beaux cadeaux de Noël, en tout cas, hein, oui. tous ces mangas. Le dernier de la liste, un enfant et un humain avec un robot, c'est vrai. C'est Lonely World. Donc là, effectivement, c'est un enfant dans Lonely World. Shi, une petite fille qui se réveille un jour amnésique. Elle erre dans un monde futuriste où il ne reste que des robots, enfin des robots, des golems dans Lonely World. Alors que l'un d'eux tente de la capturer, on lui porte secours et son sauveur, c'est un autre robot qui va désormais accepter la mission de la protéger en l'aidant à découvrir pourquoi et si c'est vraiment la dernière humaine de ce monde. Qui est très sympa aussi Lonely World, mais qui n'a pas cette mélancolie et qui n'a pas ce côté un peu fun de Alma. Oui, et puis c'est beaucoup plus... froid, voire même glaçant par certains côtés, parce que vraiment elle est petite et elle est toute seule et elle est enfin pour le coup elle est entourée de tas de ferrailles. Enfin je suis désolée, même si le design est soigné pour chaque type de robot, parce qu'elle va évidemment découvrir d'autres robots, etc., ou enfin des golems. Moi je trouve qu'il y a quand même un mélange d'angoisse parce que il y a certains robots qui sont dotés d'un seul œil, enfin qui font très... Ouais, mais un peu comme dans les Maxi Monstres, tu sais. Ouais, ils sont très... Bah oui, mais le... Je sais pas, le Maxi Monstre il est poilu, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a pas le côté fluffy du truc pour atténuer cette idée. Parce que quand t'étais enfant, t'aimais pas faire des câlins aux robots. Bah non, j'ai pas... Non. Alors que déjà enfant, moi j'étais fan de robots. Non, oui, mais on avait des Transformers, quoi. Ah oui, c'est trop cool. Bah oui, mais bon, c'est pas doux. Là, alors que là, bon. Non, et Bumblebee a jamais été doux. Hein. Oui, c'est vrai. Mais on adorait Bumblebee. Mais il est arrondi un peu. Mais bon, non, tout cas, disons que là, la douceur, elle est apportée par le personnage de la petite fille. Et que côté robot, bah, c'est pas tout à fait ça, quoi. Bah c'est ça, mais en fait, on est dans un mix des deux. C'est poétique et inquiétant à la fois, quoi. Oui. On est vraiment sur cet entre-deux avec un personnage principal qui a l'air beaucoup plus faible que ceux des autres mangas. Ouais. Elle a l'air désœuvrée, la petite fille. T'as peur pour elle tout le temps. Bah ouais, c'est ça. Alors que dans Terrarium ou dans Alma, on sent qu'il y a une maîtrise des personnages principaux. Là, elle doit fuir, en fait, oui. Ouais. Bah, elle est amnésique, en fait. Elle est amnésique, elle est enfant. Non, mais l'angoisse. Elle n'est pas armée. Non, mais c'est le postulat de départ est super intéressant aussi, malgré tout, dans Lonely World. Mais on est un peu obligé de comparer les trois, parce qu'ils sont sortis dans un temps court. Ils ont des bases assez similaires. Mais ils ont chacun des qualités assez, assez particulières. Lonely World et Terrarium, je dirais qu'ils sont un peu plus poétiques, quand même. Oui. Dans l'ensemble. Mm. Là où Alma est plus. Plus fun. Ouais, il est plus fun, bagarre, tout droit. Oui, oui. Il y a un petit hamster robot mignon, quoi. Et puis il y a des meufs. Oh, non, j'ai même pas fait attention, je t'avoue. Non. Bah, c'est des robots, mais. C'est pour ça. Ouais, c'est pas. Non, j'avoue que c'est pas non plus le truc sur lequel j'ai. Ils ont des chouettes scooters, ça c'est vrai. Donc, Lonely World, le dernier dont on vient de parler, c'est aux éditions Kihun, c'est toujours en cours au Japon. C'est en 3 tomes pour l'instant, mais bon, c'est pas terminé. La suite, c'est quoi? C'est avec l'un des seuls shonen, mais bon, shonen dans les années 70, de cette émission. Destination Terra, c'est un manga culte de Keiko Takemiya, qui a été publié au Japon à la fin des années 1970. Oui, l'an 24. Exactement, le groupe de l'an 24 dont on a déjà parlé dans l'émission Shoujo. C'est sorti donc en 77, si je dis pas de bêtises, Destination Terra. On est dans un futur où toutes les ressources naturelles de la Terre ont été épuisées. Une colonie interstellaire a été créée pour permettre aux humains de continuer à survivre dans l'espace et à prospérer. Et cette nouvelle société est dominée par des ordinateurs qui contrôlent l'intégralité des comportements humains. Et qui, évidemment, se débarrasse sans hésitation de tous ceux qui ne répondent pas aux critères. Bah, c'est une bonne grosse dictature, tu vois, une bonne dictature des familles. Là. Ouais, mais une dictature informatique. Ouais. Parmi ces humains, on retrouve les Mu, qui sont dotés de pouvoirs télépathiques et qui sont obligés de vivre cachés. Ils vont tenter de renverser le système, ce système un peu... Ah, la matrice, pardon. un peu injuste, ouais, légèrement. Et leur but, c'est de retourner enfin sur Terra, sur la Terre, qui les a vus grandir, Julie.
Bah oui, et puis bah c'est, on a du mal à se rendre compte, mais au Japon c'est culte quoi. C'est vraiment une des séries fondatrices du manga moderne. Et que bah oui, Takemi Akiko, contrairement à Ikeda qui avait fait La Rose de Versailles, ou même Moto Hagio qui avait réussi à se faire connaître un peu plus tôt chez nous, je sais pas, enfin il y a eu ce truc, elle a mis tout ce temps à arriver jusqu'à nous. Donc voilà. Enfin, moi je suis encore étonné du nombre de mangas qui n'ont pas été publiés au début des années. On n'était pas non mais je pense qu'on n'était pas prêt. Et je pense que est-ce qu'on est prêt pour Destination Terre? Non, moi je pense qu'aujourd'hui effectivement le public est beaucoup plus cultivé pour réussir à lire ses œuvres. Bah, oui, parce que c'est pas des œuvres simples non plus. Ah non, non. Et je pense que, enfin, toi, t'as fait quand même un pitch assez clair, mais quand on le lit, enfin, c'est les années 70, quoi. Genre, la composition, elle est éclatée, il y a des étoiles, il y a des gens qui sortent des cadres, enfin, en plus, c'est tout psychédélique, quoi. Enfin, tu vois, je me dis, oh, qu'est-ce qu'ils prenaient à l'époque? Mais c'était l'air du temps, on va dire. Et non, c'est une très bonne découverte ou redécouverte pour certains lecteurs. Et c'est marrant de se dire ça, c'est à la base de beaucoup de séries qu'on lit aujourd'hui. Johnny, Ça me rassure parce que je pensais que c'était moi qui avait trouvé ça très fouillé au départ, parce que c'est vrai que se mettre dedans, c'est assez complexe, c'est quand même pas mal de textes, et je me suis dit peut-être que j'étais pas dans le mood à cause de mes lectures précédentes, mais non, mais du coup ça me rassure parce que t'as quand même beaucoup d'infos, beaucoup de textes apprendre sur toi. En tout cas, moi, c'est vrai que Destination Terra, je l'ai lu, je me suis dit, allez, je me donne un petit coup de bâton parce que je veux pas m'arrêter à juste de lire de la science-fiction récente. Et Destination Terra, donc voilà, c'est de la SF publiée fin des années 70, Max, tu l'as dit. Et clairement, Keiko Takemiya, c'est une auteure super connue, elle fait partie du groupe de l'an 24. Et d'ailleurs, c'est même elle qu'on désigne souvent comme la créatrice du sous-genre Shonen High. Donc c'est à cause d'elle, Carnaval. Merci. C'est à cause d'elle, Carnaval. Carnaval. Tome 28 qui sort, c'est le dernier, enfin, merci. Et pour en revenir au titre, c'est vrai que le dessin est assez old school, c'est assez complexe de se mettre dedans, mais en tout cas, on a tous les ingrédients d'une bonne SF. On a la Terre détruite par les humains qui doivent s'exiler dans l'espace, on a la société réduite à l'état de pantin qui savent plus quoi penser par eux-mêmes, et un héros au pouvoir surnaturel qui veut sauver le monde. Et moi, c'est ce que je veux dans une SF, donc j'étais content, c'est complexe et c'est bien. Destination Terra, donc c'est en 3 tomes. Le 3e tome sort au mois de janvier, là, dans quelques jours. Ouais. Vous pouvez déjà offrir ou vous acheter pour votre petit Noël les tomes 1 et 2. C'est aux éditions Naban, Destination Terra. Bravo en tout cas pour le line-up des éditions Naban qui vont chercher des titres super intéressants et super intrigants comme Destination Terra. Et le suivant est aussi un manga signé par une autrice, Okami Rise, créé par Yu Ito, une artiste qui a notamment été au chara-design de l'une des séries Gundam. Hey. Ça, c'est sorti en septembre, contrairement à Destination Terra, qui est sorti au cœur du mois de juillet, à mi-juillet. Ça fait mal. C'est vrai que c'est pas la meilleure date pour les sorties, mais ils ont eu des reports. Bah, ils espéraient Japan Expo surtout. Ouais. Non, pas du tout. Non, ils devaient sortir bien avant, et puis ils ont été impactés par le Covid, par les difficultés autour du papier, et ainsi de suite. Donc ça a été difficile. Bref, Okami Rise, en revanche, ça c'est sorti fin du mois de septembre. Manga qui est en 5 tomes aujourd'hui. Okami Rise, créé donc par Yu Ito. Nous sommes ici dans un futur proche. L'État japonais tel qu'on le connaît a totalement disparu. L'archipel est désormais scindé en deux. Il y a la partie nord qui est administrée par la Russie et la partie sud par la Chine. La frontière de ce territoire est délimitée par une zone tampon démilitarisée et totalement vidée de ses habitants. Enfin, c'est ce qu'on pourrait penser puisque c'est dans cette zone pourtant qu'on va rencontrer les Wolang, 49 fugitifs qui sont enfuis d'un labo chinois dans lequel l'armée faisait d'étranges expérimentations sur eux et pris en tenaille. Leur seule solution pour eux, pour les Wolang, c'est de se battre pour leur survie dans ce monde dystopique totalement freak. Ouais. Écoute, moi, c'était une très bonne surprise. Alors, je t'avoue, vous verrez la couverture. Ce qui m'a... Mon premier ressenti, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce que je n'arrivais pas à lire le titre. Enfin, la typo est assez particulière. Okami Rise, ouais. Et puis, on ne sait pas si c'est des robots, on ne sait pas trop ce qu'on voit sur la couverture. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'on voit. Et en fait, je me suis dit, j'arrive. Enfin, vraiment, le fait de ne pas pouvoir reconnaître le titre, c'était un peu. C'était un premier blocage. Et finalement, bah, je me suis fait un peu violence quand même. Et c'est une très très bonne lecture de shonen pour le coup, parce que on va suivre ces hommes loups, enfin ces fugitifs,
avec en plus ce, ouais, ce contexte-là complètement, enfin, que géopolitiquement, je pense que tu penses, en demandant à des spécialistes, ils diraient, bah, dans 200 ans, pardon, c'est peut-être pas oui, non plus aberrant, quoi, voilà. Ouais, ouais. Et il y a en plus cette idée de, des expérimentations, voilà, le laboratoire ou le scientifique fou qui se permet des trucs. Ouais, c'est assez propre aberrant. Au récit d'anticipation, voilà, comme ça. Ouais. Complètement. Et bah, les codes sont respectés et le design est très sympa. Et je ne savais pas que c'était un auteur féminin. Et je trouve que bah, c'est, enfin, comment dire, c'est un trait qui pourrait devenir une patte, quoi. Enfin, elle a un petit truc parce que donc elle va essayer d'expliquer ensuite qu'est-ce qui s'est passé et c'est tout le voilà le sel de l'histoire de comprendre comment on en est arrivé là. Ces hommes, enfin parce qu'en plus c'est des fugitifs, on s'est lancé à leur trousse, etc. Enfin, c'est passionnant. Ça s'appelle O Kami Rise, donc avec deux O. Bah oui, c'est le loup O Kami. Exactement, et c'est sorti aux éditions Panini Manga. La suite avec ID Invaded. Alors ID Invaded, c'est un titre un peu compliqué, un peu original, un peu étonnant, puisqu'en fait On est dans une suite de dessins animés, enfin en tout cas une vision alternative d'un animé. On est dans un monde très Minority Report, vraiment dans le style. On a des enquêteurs qui ont le pouvoir de puiser dans l'inconscient d'un tueur et de voir des parties fragmentées de leur psyché. Ils appellent ça le puits, d'où le fait de puiser dedans. Et c'est grâce à ce puits qu'ils font leurs investigations. On suit alors plusieurs des membres de cette équipe dans une enquête aux aspects les plus dangereux. C'est curieux, c'est sympa. Quand on commence ce manga, on sait pas du tout où on est. Eh ben, j'avais pas lu le pitch. Et maintenant que tu me fais le pitch, j'aurais peut-être mieux compris, mieux compris l'histoire dès le début. Non, mais c'est vrai que le tome 1, il est très prenant. Hein. On est tout de suite dans l'action, on enquête, on cherche en même temps que le héros. Juste, franchement, je me suis retrouvé à un moment, je comprenais plus rien. C'était peut-être voulu de la part du scénariste. En fait, tu savais mais, plus si t'étais dans le monde virtuel ou dans vraiment, le vrai monde. Mais oui, je me suis dit au milieu du manga, mais attends, là, les collègues du héros, ils sont avec lui ou ils sont pas avec lui? Je veux dire, géographiquement, ils sont dans le même univers ou pas? Car j'ai l'impression vraiment qu'on est sur deux niveaux de lecture, deux lignes de temps, et en même temps, bah, pas du tout, et c'est là en fait où j'ai été perdu. Et après, sinon, au niveau dessin, Yukiko Dama, voilà, il est toujours super. Mais je crois que c'est volontaire de perdre le lecteur. Non, mais là, dans je fais, mais putain, mais faut que je le relise ou pas? Parce que là, vraiment, je en vois fait, pas où je suis. Faut attendre le tome 2, parce que pour moi, enfin, c'est personnel, hein. J'ai l'impression qu'il y a une vraie démarche. Ouais, derrière ça. Mais je pense aussi, c'est comme t'es, moi, toi, sans le pitch, en vrai, tu sais pas où tu tombes, tu sais pas dans quoi tu tombes. Oui, mais c'est agréable. Mais, ouais, c'est intriguant. Bah, tu veux savoir. Tu sais pas, mais c'est agréable. Et finalement, ce que t'as à comprendre, tu le comprends. Et tu suis l'histoire parce que c'est haletant en plus. C'est une course-poursuite, on essaie d'attraper un tueur, de comprendre qui est le tueur. Finalement, on a presque. Non, on n'a pas résolu l'enquête dans le tome 1, mais. Non, puis même. On s'en approche, c'est, tu vois. C'est ça aussi, c'est le truc à un moment où l'intrigue, je fais. Bah attends, mais n'importe quoi, enfin, c'est un peu gros là, c'est vraiment ça l'explication du meurtre? Je dis, non. Et en fait non mais c'est pour ça. Mais après au niveau du dessin, Yukiko Dama, il est connu pour Bloodlad, et j'ai l'impression que là avec ce dessin, c'est pas du tout la même chose qu'il faisait et c'est pas la même chose qu'il faisait avant, j'ai l'impression. Enfin, le dessin, tu vois, c'est plus proche de Demon Tune que de Bloodlad, effectivement. Ouais, moi j'ai reconnu. Ah, c'est bien. Parce que j'ai pas eu des bonnes tunes. Ah, peut-être. Donc oui, Yukiko Kodama qui est dessus, et puis donc l'animé. Oui, à la base. L'histoire est issue d'un animé, donc il peut être aussi intéressant de le regarder pour tout maîtriser, pour tout compléter. ID Invaded, c'est sorti donc très récemment, hein, le 19 novembre dernier, c'est en 3 tomes, et c'est sorti aux éditions Dupuis Vega. La suite, c'est avec un manga qui s'appelle Comet Girl, Johnny, et ouais, que tu avais absolument adoré. Mais moi, j'ai adoré ce manga. Franchement, je sais même pas comment ça peut pas être le coup de cœur de tout le monde. C'est un manga tout en couleurs, en seulement 2 tomes. L'auteur Yuriko Akase est très jeune, hein. Elle est née dans les années 90. Et on sent qu'elle a digéré toutes les productions qu'elle a vues d'animés, de mangas, et elle le ressort comme ça dans les tomes 2. C'est très frais, c'est très rafraîchissant, le dessin est incroyable. Je l'ai déjà dit, mais c'est tout en couleur, donc ce qui n'est pas forcément très commun pour un manga. Et après, l'histoire est vraiment très simple, hein. Honnêtement, moi ça m'a rappelé un peu le Firefly, la série TV Firefly que j'ai adoré. Et je lis les deux tomes, et même si je sais comment la fin va se finir,
j'ai eu ce petit frisson, j'ai eu cette petite larme à l'œil en lisant cette fin. Donc je ne peux que conseiller à tout le monde. Julie, toi aussi, t'as bien aimé Comet Girl? Oui, oui, on en avait un peu parlé très rapidement dans notre sélection de l'été, je crois. Mais c'était vraiment, c'était très chouette Comet Girl, parce que oui, il y a ce côté pop en fait. C'est vraiment un space opéra. C'est une lecture hyper décomplexée, divertissante qu'on lit pour pour vraiment passer un bon moment. Et en plus, on a de tout, quoi. On a de l'action, de la romance, des émotions. Enfin, c'est un super moment qu'on passe en lisant ce livre. Comet Girl en deux tomes, c'est sorti aux éditions Saka. On va enchaîner sur quelques titres. On va pas en dire, on va pas en parler beaucoup, mais parce qu'en fait, c'est des titres où, avec un peu de SF. Mm-hmm. Comme le sukiyaki du début de l'émission. Allez, il y a un peu de SF, mais est-ce qu'on peut vraiment tous les considérer comme des mangas de science-fiction? Je suis pas vraiment sûr. À commencer par Dengin N, qui est sorti là au début du mois de novembre, un seinen en 4 tomes que j'ai trouvé très glauque, très curieux, l'histoire d'un psychopathe qui se transforme en super vilain électrique pour stalker une idole. Super. Ouais, mais dit comme ça, on dirait que c'est un X-Men, mais moi je trouve que c'est un X-Men, X-Men psychopathe. Bah, ouais, non, mais moi je pense que c'est un vrai titre SF, mais malheureusement c'est pas le sujet principal, c'est plutôt le thriller. Mais d'ailleurs, le gars, je pense qu'il est coincé dans son truc d'électrique, donc à moins qu'il se crée un robot, il pourra jamais sortir de son réseau. Mais c'est vrai que tu le lis et c'est très malaisant, quoi. Moi, je lis dans le métro, je fais c'est pas parce qu'il y a des scènes obscènes ou quoi que ce soit, c'est que vraiment on est à l'intérieur du psychopathe, de ce que pense le psychopathe, et on se dit mais putain, il y a vraiment des gens qui pensent comme ça fait peur. Et en même temps c'est intriguant parce que le but ça va être justement d'arrêter ce type, et c'est, pour moi c'est quelque chose qui peut arriver. Toi, le stalking au Japon, enfin c'est connu, toi, ça existe avec les idoles, etc. Il y a pas tout le temps des dérapages, mais quand il y en a, ça dérape grave. Et c'est ce genre de manga qui sort. Mmh. Puis c'est l'équipe qui avait fait, Julie, tu te souviens, Starving Anonymous. Bah, c'est pour ça, oui, je me disais, oui, eux, ils vont pas avec le dos de la cuillère quand il s'agit de parler de choses glauques et malaisantes. Donc, bon. Et de nous mettre mal à l'aise, ouais, ils sont plutôt bons là-dessus, effectivement. Ça s'appelle Dengin, espace, ou tiret, N. C'est sorti aux éditions Pika au début du mois de novembre. Je voulais aussi citer rapidement Carol and Tuesday. Ah bah ça va, ça. C'est dans quand même malaisant. Dans un autre genre, mais là aussi, on peut mettre ça dans une ambiance SF si vous voulez. On est dans le futur, on est sur une autre planète, il y a de l'espace, tout ça. Et on va suivre l'histoire de deux jeunes filles qui vont vivre leur rêve de réussir dans la musique. Oui. Bon, bah voilà, la SF, là, ça s'échappe un petit peu. C'est très feel good. C'est pas au niveau des autres mangas, mais c'est super attendrissant, je trouve. Oui, Carol and Tuesday. Ça parle de la musique. C'est toujours, c'est chouette les mangas qui. Ouais, complètement. C'est un seinen qui a été publié Shonen en France aux éditions Nobi Nobi. Mm-hmm. Puis c'est l'adaptation en fait de l'animé qui est sorti, qui est dispo sur Netflix, il me semble, par l'équipe de Cowboy Bebop en partie. Aha. Forcément. Autre titre, là aussi c'est de la SF techniquement. Olympia Kyklos, un artiste de la Grèce antique qui se retrouve téléporté dans le monde, dans notre monde, dans les années 50 en fait, non, il y a quelques années. Ouais, voilà, un artiste de la Grèce antique, un athlète, hein, on peut dire ça comme ça, qui est très fort en marathon, mais qui peint aussi sur les amphores, et se retrouve téléporté au Japon, dans les années 50, de la Grèce au Japon. Et alors là, qui est-ce qu'on rencontre à ce moment-là? Tezuka. Le dieu du manga, Tezuka. Papy Tezuka, évidemment. Donc voilà, c'est SF pour la blague, parce que il y a un voyage dans le temps, mais sinon c'est SF pour deux pages, quoi. C'est ça. Merci. Mais bon, c'est l'auteur aussi de Terma et Romae, donc exactement. Voilà. Donc on est toujours dans la même SF que Terma et Romae à peu exactement. Près. Exactement, mais je trouve que c'est une super idée, quoi, de faire toujours ce petit choc culturel et en plus temporel. Enfin, ils vont découvrir plein de trucs. Ouais, puis c'est marrant d'opposer le trait manga avec le trait grec. Ouais, des amphores. Exactement. Non, en fait, elle fait super bien les amphores grecs et tout. Ah bah oui. Je trouve ça super. Oui. Oui. C'est réaliste et en même temps, une petite touche de fantastique qui fait que ça donne une comédie avec du peps. Parce que c'est une comédie, hein, au fond. Ah bah évidemment, complètement. Ben oui, quand tu découvres. Bon, là, c'est pas les bains, mais ça va être la course, le sport moderne, la remise de médailles. La remise de médailles.
naïf et c'est rafraîchissant, quoi, d'une certaine façon. Exactement, c'est naïf alors qu'on est sur des personnages adultes, mais qui connaissent rien de notre monde. Voilà, ça crée des quiproquos aussi, mais sans être graveleux, gras ou quoi. Non, c'est très fin, c'est très discret, j'aime beaucoup. Sans suite, d'autres mangas, il y a deux créas, une qui est sortie, une qui va sortir, dont on voulait vous parler vraiment très rapidement. On prend juste une minute pour vous rappeler que Goldorak est sorti. Normalement, si vous êtes sur Terre... Vous êtes passé au travers. Si vous êtes sur Terre, vous êtes au courant que Goldorak est sorti. Bah oui. Goldorak. Effectivement, il y a le... Métamorphose. Ouais. Franchement, j'ai jamais regardé, donc tu dis ça, mais... C'est vrai, t'as jamais regardé Goldorak ? Franchement, j'ai dû voir le générique, si tu veux, mais... Non, mais tu vois, par exemple, ça, je l'ai pas, toi. Moi, j'ai le meilleur dresseur. Moi, j'ai le meilleur dresseur, le vrai. Ah oui, non, t'as celui de Bernard Minet, Goldorak Go, rétro laser en action. Ah oui, je dois voir ça. Celui-là, tu l'as peut-être en tête. Bah, c'est un classique. Non, on l'a tous en tête, merci. Avec plaisir, c'est tout pour moi, merci. Non, c'est un classique, finalement, Bernard Minet. Non, Goldorak. Oui. Goldorak, c'est un classique. Staff All-Star, hein, sur le dessin, sur le scénario, sur la couleur. Il y a du beau monde et c'est un gros, gros carton en plus. Bah tant mieux, on est content. Ouais, non, mais c'est cool que des choses comme ça marchent après le Albator il y a deux ans. Cette année, le Goldorak, l'année prochaine, les Chevaliers du Zodiac. C'est cool. Non, mais oui. C'est cool. Voilà, tu sais, les petits Français s'emparent de titres japonais pour faire des choses un peu différentes au format bande dessinée, puisque Goldorak, c'est au format bande dessinée. Et je trouve ça intéressant. Vraiment, ouais. C'est vraiment chouette qu'il y ait des opérations comme ça, en fait. Même que ça plaise ou non, peu importe, mais c'est intéressant pour. Ouais, la démarche de chaque auteur. Pour faire vivre tout ça. Effectivement. Parce que tu vois, dans les Chevaliers du Zodiac, a priori, il va y avoir vraiment des trucs très intéressants qui vont être faits. Bah, il y a de quoi faire aussi. Enfin, je pense que même par rapport à Goldorak, qui est déjà très riche, là, l'univers des Chevaliers du Zodiac. Mais si j'ai bien compris, ils vont lui laisser beaucoup de liberté. Alors attention. À Jérôme Alquier, on va voir tout ça. Ouais, non, ça a l'air chouette, mais tout est validé à chaque fois par les ayants droit, par les auteurs au Japon et tout. Tout est passé au crible, etc. C'est pour ça aussi que c'est intéressant. Goldorak, c'est sorti aux éditions Kana dans la collection classique. En janvier, faut pas rater un manga qui s'appelle Léviathan, Julie. Ah ouais. On a vu, il devait sortir cette année à cause du Covid, de tous les problèmes, ça a été décalé en janvier. Mais c'est bien, on avait pu lire le tome 1 dans le Kiwoon Mag au tout début de l'année 2021. Oui. Moi, j'avais adoré. Et moi aussi. Et là, tu l'as lu en main, ça donne quoi alors ? Ah, c'est super. Non, en plus, le livre est beau. Enfin, moi, je trouve qu'il est un peu plus grand que le format standard et c'est parfait. Enfin, l'ambiance, voilà, c'est une espèce de rencontre entre l'horreur et le manga de l'espace, quoi. Enfin, vraiment, un huis clos dans l'espace. Et on parlait du groupe de l'An 24 tout à l'heure. Mais oui, ça me fait penser à Ils étaient monstres de Moto Hagio, c'est sûr. Mais plus proche de nous, ça fait aussi penser à L'école emportée, tu vois. Mais dans l'espace, puisque il s'agit donc d'un voyage scolaire. Et ouais, dans le futur, on a les moyens. Comme dans Astra. Comme dans Astra, effectivement. Mais c'est beaucoup moins glauque que Astra. Alors que, bon, L'école emportée, si tu veux, on est un peu dans le même registre. Et là, il y a donc un problème, puisque le Léviathan donc, va connaître un accident et qui va faire que une classe d'adolescents va se retrouver coincée dans l'espace. Et plus tard, des espèces de pilleurs de vaisseaux vont redécouvrir l'épave. Ils vont découvrir petit à petit, à leurs dépens, ce qui est arrivé à cette fameuse classe. Exactement, notamment à travers un carnet de bord. Ah oui, ça m'a fait hurler de rire, mais parce qu'ils sont dans le futur, ils sont dans l'espace, ils ont un carnet avec un crayon. C'est pour ça qu'au début de l'émission, j'ai commencé par carnet de bord du capitaine, tu vois. Ah oui, parce que peut-être qu'il y a un problème informatique. Et ouais. Mais ils ont tout prévu. Tout est possible. Mais en tout cas, c'est très beau. Ruez-vous dessus et commencez 2022 là-dessus. C'est une très bonne idée. Ça sort en janvier. Donc, Léviathan aux éditions Kiyun. Cette année, on a eu le droit à des rééditions aussi en SF. Wow. Et il y a eu des beaux trucs. Hein. Ouais. Eden. Ouais. Bon, on en a déjà parlé dans plusieurs émissions. La réédition d'Eden. J'ai reçu le tome 5 hier. Bon, non, hier, j'ai reçu le tome 5. Il était coincé dans ma boîte aux lettres. Ah ouais, parce que. J'ai dû demander à ma factrice de tout. Parce que c'est des fois les livreurs. Ils l'ont pas défoncé alors ? Non, ils l'ont pas défoncé parce qu'en fait, là où je l'avais acheté, ils ont mis un carton plus grand. Ah. Donc du coup, ça tenait pas trop dans la boîte aux lettres.
Mais quand ils l'ont mis, ça a bloqué l'ouverture de la boîte aux lettres. Ah oui. Et comme ma factrice est sympa, je lui ai laissé un petit mot et elle m'a appelé. Et comme ça, elle a pu ouvrir l'intégralité des boîtes aux lettres pour que je puisse le récupérer. Voilà, vous connaissez tout de ma vie et de mes boîtes aux lettres. Bref, le tome 5 d'Eden. Maintenant, le facteur est viré. Non, ce que c'est les autres, c'est Colissimo ou je sais pas qui. Non, mais moi, j'ai adoré Eden. C'est sûr que la réédition est parfaite. On a vraiment une belle fabrication. Moi, ce que j'aime dans cet auteur, c'est de lire. Il y a ce qu'il dit avant les tomes. Ça m'a fait marrer quand il a dit que quand il avait lu Évangélion, il a fait oh, mais il a tout fait, je peux plus rien faire. Et qu'après, il s'est remis, on s'est dit bon, allez, vas-y, je vais quand même faire autre chose. Mais tu vois, il se reprend en main. Mais c'est vraiment le mec, tu sens que je pense que lui, vraiment, il doit être défaitiste ou vraiment pessimiste dans sa vie. Parce qu'il est. Le propre des artistes, c'est de se remettre en question tout le temps aussi. Mais tu vois, il dit qu'il est athée, il dit qu'il croit pas en Dieu, il dit pourquoi on croit en Dieu, etc. Et tu le sens dans son manga de toute façon. Par contre, il s'interroge. Il dit pas juste, voilà, je crois pas en Dieu. Il s'interroge sur la question. Et moi, c'est ce que j'aime en fait de cet auteur, c'est qu'il est vrai. Et il le dit, toi. Et en plus, surtout de faire un titre de science-fiction comme ça, autant sur une anticipation, autant réel aujourd'hui, puisqu'on est quand même sur un virus qui a décimé la population. Ouais. Non, mais il était, enfin, il a en période de Covid, des idées incroyables et tout est juste et tout est. Mais c'est ça, parce qu'en fait, ouais, il est super intelligent en fait. Je sais pas comment dire. Un virus qui décime la population, bon, ça, il y a plein d'autres qui ont eu l'idée, mais la façon dont il l'a mis en scène, dont il l'a présenté. Je trouve que ça ressemble tellement par certains aspects, puisque évidemment tout le monde est mort là-bas, mais enfin beaucoup plus de gens sont morts dans le manga, dans le manga. Mais voilà, je trouve qu'il y a un côté très réaliste, très 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 véridique. Bref, ouais, ça nous parle. Si vous connaissez pas Eden, vraiment sautez dessus. En plus, la réédition pour les fêtes, ça fait un chouette cadeau. Ah oui, très beau. Très très chouette. Ouais. L'autre réédition qui nous a marqué cette année, c'est celle de Blue Hole. À l'époque, quand c'était sorti en France chez Casterman, le trou bleu, ça donnait pas envie parce que ça avait l'air pulp, ça avait l'air moche et tout. Sauf qu'à l'intérieur, c'est incroyable. Yukino Oshino, c'est un auteur génialissime qui est très réputé au Japon, qui est culte dans les milieux autorisés de fans de SF. Et là, donc, de voir Blue Hole réédité en France, c'est super. On en avait déjà parlé dans l'émission sur les mangas bleus. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui. Si. Mais voilà, moi, je suis totalement fan de ce titre qui nous emmène au large des Comores. Non, c'est très intéressant. Moi aussi, je connaissais pas. Et c'est vrai qu'en termes de vieux mangas, je suis pas très fan. Mais toi, avec Eden et Blue Hole, j'étais assez servi. Et ce qui est marrant, c'est que Eden, on a le science-fiction virus. Blue Hole, on a le science-fiction écologique. Et les deux, toi, c'est vraiment les sujets d'aujourd'hui. Et non, c'est vraiment cool, le Blue Hole. Mais c'est vrai qu'on l'a souvent dit, mais les auteurs japonais, les mangaka japonais, ils ont eu très tôt une tendance sur les questions écologiques et sur les questions imposées autour de l'écologie, même dans Appleseed, même dans Gun, dans Blue Hole, dans Eden, évidemment. Le Parasite. Dans Parasite, on en bien a parlé sûr. Il y a pas longtemps. On n'est pas sur une partie SF, on est sur du fantastique, mais oui, mais clairement. Ouais. Et c'est génial, je trouve, de poser ces questions-là et de les mettre dans des milieux de science-fiction, dans des titres d'anticipation, dans des dystopies, dans ce genre de choses. Mais en tout cas, ouais, moi, Blue Hole, c'est. Moi, j'avais dit rétro comme on aime. Hein, c'est. Il y a tous les bons ingrédients, on va dire, pour faire une bonne histoire. Personnellement, c'est un cadeau que je vais offrir à Noël parce que je trouve que en plus le livre en jette quoi, enfin il a c'est comme on dit toutes les rééditions là elles sont très jolies, très bien faites, donc franchement c'est une idée comme une autre, mais je sais pas, j'espère que ça va marcher. Et surtout à partir de l'année prochaine va sortir la suite qui est totalement inédite en France, qui s'appelle Blue World. Oui. Cette fois on va dans le on n'est plus au large des Comores, on trouve un trou bleu dans le Loch Ness. Ah. Et les Anglais et les Américains ont décidé de s'associer pour essayer de gagner un petit peu d'influence grâce à ce trou bleu. Évidemment, ça va mal se passer comme dans Blue Hole, puisque forcément, tu peux pas, parce que l'idée de Blue Hole, si vous vous souvenez plus de quand on en avait parlé dans l'émission sur les mangas bleus, c'est qu'un trou bleu, c'est un trou au fond de l'océan qui relie notre monde à l'ère jurassique. Voilà. Mauvaise idée. Et ce que les gens veulent faire au début de Blue Hole, c'est utiliser l'air, la couche d'ozone et rejeter tout ce qu'on l'air a de dégueulasse, ouais. Chez les dinosaures. Chez les dinosaures et de récupérer leur air propre pour le pour nous.
Ouais, c'est peut-être pas une très bonne très idée. Bonne idée. Oui, parce que ça va mal se passer, parce qu'en fait, l'ère jurassique, c'est notre futur ère à nous. Bref, tout est résolu, en tout cas, dans ce manga qui s'appelle Blue Hole. Et puis voilà, on a fini, ça y est, on a fait le tour de tous les mangas de SF, vraiment SF, on va dire, parce qu'il y a d'autres titres avec des moments de SF dedans. Mais ils ont des cousins, des petits-enfants. Exactement, mais on a fait le tour, Julie. Beaucoup de séries, quand même. Hein. Ah oui, beaucoup de séries, et en plus des séries courtes, parce que... je sais pas, je trouve que c'est un format qui est intéressant, qui permet du coup d'aborder beaucoup, beaucoup de thèmes, beaucoup, beaucoup d'univers différents. Et en plus, là, je me rends compte à la fin de notre émission qu'il y a aussi beaucoup de mangas féminins, avec soit des héroïnes, créés par des femmes, soit créés par des femmes. Et ça, c'est aussi très encourageant. Voilà, moi je suis très contente. non, mais c'est chouette. Après, il y a des mangas un peu plus longs qui ont été publiés, notamment chez Kurokawa, quand je pense à Ultraman ou quand je pense aux Héros de la Galaxie, qui sont dans d'autres genres. Tu vois, les Héros de la Galaxie, on est vraiment sur un space opéra, sur une fresque incroyable. Ouais. J'en rate pas un seul des tomes des Héros de la Galaxie. Bah, c'est très addictif. C'est très addictif, mais c'est long, tu vois. On n'est pas du tout dans la même ambiance. Oui, alors que là, tac, on va... Enfin, en plus, ils sont tous très bien ficelés. Oui, puis un concept, en fait. Voilà, c'est vrai. Des mangas concept, et je pense qu'effectivement, les éditeurs français aiment bien aller piocher des mangas comme ça, un peu au court, pas trop risqué. Si ça marche pas, tant pis. Ouais, mais ça peut toujours amener des très bonnes surprises, des très bonnes lectures, donc... Mais notamment chez Akata, tu vois, que ce soit Worms ou Le Siège des Exilés, je m'attendais pas à découvrir ce titre. Et puis chez Panini, je m'attendais pas non plus, tu vois. J'ai vu Alma arriver, je fais oh, très bien, bon, essayons. Encore je vois Okami Rise et tout. Ouais. C'est bien d'avoir des petites nouveautés comme ça, c'est chouette, Joe. Ouais, ça fait plein de SF pour Noël, non mais ça fait plaisir. Moi j'ai eu un petit chèque cadeau de 210€ par ma boîte là qui coule, et du coup je vais les utiliser rapidement pour me faire des cadeaux de Noël. Allez, la boîte qui coule. En tout cas, je tenais aussi à remercier un auditeur, Julien, qui grâce à lui j'ai réussi à avoir le tome 100 collector de One Piece. Donc je te remercie, Julien, infiniment de me l'avoir envoyé. Je l'ai payé, vous inquiétez pas, mais je peux t'inscrire sur la liste des 50 autres auditeurs qui m'ont donné. Non, je déconne, c'est pas vrai. Merci beaucoup, Julien, grâce à toi j'ai mon collector. Oh, le mec, il a... Le mec, c'est pas vrai, t'es tout seul, Julien, t'es tout seul. Il profite je de te sa jure, situation. Comment il profite de sa situation de faire un non, podcast mais, et non, tout. Mais en vrai, je l'avais cherché, je le cherchais, j'avais mis un post sur Manga Occasion Facebook et Julien m'avait proposé de le récupérer, le tome 100, parce que j'étais vraiment pas sûr de l'avoir, vu déjà comment j'ai galéré pour avoir le 99 en faisant la queue à 8h à la Fnac. Enfin, c'était super compliqué. Du coup, Julien l'a gentiment réservé pour moi, me l'a envoyé et c'est très sympa. Merci. Ah là là, mais qu'est-ce que vous êtes gentils, les auditeurs. Tout à fait. Bah alors moi, le libraire chez qui je l'ai eu, parce que j'ai aussi tome 100, le libraire chez qui je l'ai eu avait organisé une loterie. Ah oui, oui. Ouais. Et donc c'est grâce à cette loterie... Que tu as gagné. Que j'ai gagné. Mm-hmm. Et que j'ai réussi à pouvoir... Enfin, c'est une loterie pour pouvoir lui acheter le tome 100. Oh, oui, bien sûr. Le truc maintenant, c'est quand même assez incroyable. Bah, d'ailleurs, ils font un tirage au sort pour avoir les trois maintenant. Ça, c'est un jeu concours, c'est pas oui, pareil, c'est encore. Jeu c'est clairement autre chose. Alors, en tout cas, on vous remercie. Je pense qu'on a fait vraiment le tour là, des nouveautés de SF qui sont sorties cette année. Après, il y a d'autres mangas qui sont sortis l'année dernière, qui sont toujours en publication, en cours de publication, qui sont vraiment très cool. Je vous renvoie d'ailleurs, il y a un an, à une émission qu'on a faite qui s'appelle « Pourquoi faut-il lire Journey Beyond Heaven ?» Eh mais oui. Parce que c'est juste l'un des meilleurs mangas qui existent en ce moment. Mais c'est trop bien. Ouais. Et on est déjà donc à 4 tomes sur Journey Beyond Heaven. Donc là aussi, vous pouvez rattraper 5 tomes. Ouais, effectivement, ouais. Julie, t'as raison, c'est 5 tomes, puisque le 6e nous fera rattraper la publication japonaise. Donc maintenant, on va devoir attendre 6 mois, 7 mois entre chaque tome. Alors que là, on en avait un tous les 2-3 mois, c'était bien. Mais non, aussi, ouais, c'est un titre. Je vous renvoie vraiment sur cette émission, parce qu'on l'avait fait en distance à l'époque, puisqu'on était confinés, ou en couvre-feu, ou un truc comme ça. Mais on était revenu sur Journey Beyond Heaven, qui est un autre manga de science-fiction qu'on adore, parce qu'on aime beaucoup les mangas de SF ici. Merci Joe, merci Julie. Merci à toi. Merci et on à se dit, vous. On se dit bonne fête de fin d'année, parce qu'on va peut-être faire des cons, on verra ce qu'on fait la semaine prochaine. Peut-être qu'on sera pas là, peut-être qu'on sera là, peut-être qu'on va juste raconter des conneries, on verra bien. Oh. Mais on vous dit en tout cas. Peut-être à l'année prochaine. Et surtout à l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Et la bonne, hein. C'est vraiment un truc de beauf. Merci, on se quitte donc sur les blagues de beauf de Johnny. Merci. Heureusement que t'es là, parce que qu'est-ce qu'on ferait sans toi, tu sais. Je m'entraîne genre dans ma campagne, moi bientôt. Vous savez, quand on dit santé, quand on trinque, il y a un mec qui dit, et pas des pieds, c'est Johnny. C'est toujours Johnny. Mais je lui dis tellement tout le temps. Et c'est tellement triste. Ouais.
Mais non, les gens ils sont contents. Ouais, si je le dis pas, après on me regarde. Écoute, on me regarde et fait bah, tu le dis pas. Je fais bah, je sais pas, vous en avez marre. C'est ouais, mais si tu le dis pas, c'est pas normal. T'as habitué bah, voilà. les gens, voilà. Oh là voilà. Si vous faites les mêmes blagues que Johnny, c'est dommage. Allez, à bientôt. Ciao. Salut. Merci. Salut.